vous êtes toujours très nombreux à nous suivre sur la télévision que vous aimez, Keo Congo Essengo Officiel Plus, la télévision qui vous donne des informations en temps réel, les réalités kinoises, les réalités de la République démocratique du Congo, l'actualité politique aussi. C'est notre devoir, notre mission de vous informer, et tout cela nous le faisons avec authenticité, c'est-à-dire nous cherchons les informations, nous tirons les informations à la source, nous vous les amenons ensemble avec nous, avec vous plutôt, nous analysons et chacun donne son point de vue. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, chaque fois que vous suivez vos émissions sur votre chaîne YouTube, n'hésitez pas d'envoyer vos commentaires, de poser des questions. Toute question qui va vous passer à travers vos esprits, vous nous les envoyez et nous serons là pour répondre, certainement. Peut-être nous allons les faire, ou encore nous allons chercher la personne que vous voudriez que cette personne vous réponde. C'est la personne que nous irons chercher. Et ainsi de suite, nous allons évoluer. C'est pour cela, je vous dis toujours, il faut liker votre émission, il faut s'abonner régulièrement, hein, chercher à s'abonner. Appelez tous vos amis, vos contacts pour s'abonner sur votre chaîne Keo Congo Essengo Officiel Plus Télévision. C'est la chaîne, hein, les bons choix, quoi, voilà. Les choix qui rassurent, voilà. vous le savez très bien, l'actualité en République démocratique du Congo, il y en a toujours, ça ne manque jamais. Jamais, beaucoup là, sans que Bola Mouka. Informations exactes, que la colamouka et l'eau quasica, que la colamouka et l'eau quasica, ceux qui ont politique et la société, ceux qui ont société et la sport, ceux qui ont sport et l'environnement, ainsi de suite. Environnement, batoubakoka, moi, mais en un minute, batoubazo bela diarrhée, un espace kasai na bandundu, batoubazo bela diarrhée, le colonini, le colo ya maï outin angola, ba baby si ango, na ba misala ba sala kaya diamant. Aujourd'hui, la population souffre de sérieux problèmes de diarrhée, mais que voulez-vous, ça fait aussi partie de l'actualité. Mais ce matin de ce jeudi 9 septembre 2021, je vous rappelle déjà que c'est le jour où les léopards du Zaïre, Mobutu Sese Seko, nous a quittés, et il nous a quittés, c'était au Maroc. Ce jour-là coïncide avec ce jeudi 9 septembre 2021. Mais ce n'est pas ça l'actualité. L'actualité, vous connaissez, c'est les élections de 2023 et les partis politiques se mettent déjà en ordre de bataille. Mais avant cela, il y a certains points qu'il faut régler. Il y a la question de la CENI, il y a la question de la crédibilité des institutions, il y a la question de garanties qu'il doit y avoir autour de ces élections que tout le monde veut transparente, démocratique, qu'il n'y ait pas de contestation comme nous avons vécu en 2006, en 2011 et aussi en 2018, qu'il n'y ait pas de vérité des urnes, qu'il n'y ait pas de candidats qui vont c'est leurrer parce que les résultats n'ont pas été à leur faveur. Pour cela, dans ce studio de Keo, nous avons analyser toutes ces questions, nous allons aborder toutes ces questions, notamment la marche que la Mouka organise le 15 septembre, ce sera un mercredi, et pourquoi avoir choisi le 15 septembre. Toutes ces questions, nous allons les aborder avec notre invité, qui n'est autre que M. Junior Lopez. Il est le président de la Ligue des Jeunes du parti de Adolphe Mozito, ancien premier ministre, et le parti dont le nom s'appelle Nouvel Élan. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Monsieur Junior Lopez, bonjour. C'est plutôt Monsieur Joël. Joël, ah, voilà, c'est comme ça qu'on va envoyer votre nom. Merci. Joël Lopez, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Keo Télévision. Mm-hmm. Et merci pour cette invitation dans votre plateau. C'est toujours une immense joie de partager. J'espère que à travers nos discussions, nous pourrons servir les téléspectateurs, la jeunesse congolaise autour de nos analyses, parce que je suppose que nous devons parler Congo et parler un. Donc merci une fois de plus pour cette invitation. C'est plutôt plaisir pour nous, voilà, un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, surtout d'avoir accepté notre invitation en dépit de vos occupations. L'actualité au sein de la Mouka, c'est la marche de 15 septembre 2021. Pourquoi avoir choisi
le 15 septembre 2021 qui coïncide avec la rentrée parlementaire. Merci. Je pense que la question des élections, c'est la question qui taraude les esprits de tous les Congolais actuellement, parce que le peuple congolais, de partout qu'il soit, l'Est, l'Ouest, Nord-Sud, voudrait comme dans toute démocratie, avoir des élections qui puissent garantir la population. Alors, pourquoi la marche du 15? Et pourquoi une marche pacifique? Et pourquoi la Mouka s'oppose? Je pense qu'après une analyse sémantique du présidium de la Mouka, étant donné que la Mouka se trouve dans le peuple et en rapport avec toutes les réalités politiques, économiques, sécuritaires, il était pour la Mouka d'un droit de pouvoir prendre position en ce qui concerne l'avenir du peuple congolais, parce que vous savez, lors des élections de 2018, nous l'avons toujours dit, le peuple congolais se muait en un seul homme pour choisir son candidat. Le peuple congolais a soifé de changement, qui a démontré à la face du monde qu'il était temps qu'en RDC, nous ayons des dirigeants légitimes qui émanent réellement du peuple. Alors, la question des élections, puisque nous parlons de ça, bien évidemment, est une question primordiale, parce que nous estimons que la légitimité des institutions proviendrait des bonnes élections, proviendrait d'un pouvoir qui soit réellement une émanation du peuple. Or, ici, en RDC, les crises récurrentes depuis 1960 qui font à ce que la RDC ne soit pas à la hauteur de décoller économiquement pour pouvoir être cette fois-là un État fort, parce que nous, au Nouvel Élan, nous avons toujours dit que les crises récurrentes qui sévissent en RDC trouveront leur solution en ayant une économie forte. Nous estimons qu'avec une économie forte, l'État congolais sera à mesure de financer à la hauteur de ce pays continent la sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous avons un état de siège, nous avons des provinces envahies, nous avons un budget de l'État qui s'est stagné, nous avons des institutions comme la présidence de la République qui consomment la moitié du budget de l'État. Donc nous estimons, ensemble avec l'exécutif, bien sûr, nous estimons qu'il est temps pour nous en RDC de procéder aux réformes, des réformes qui permettront bien évidemment à l'État congolais, cette fois-là, d'être soumis au principe de redevabilité et cette fois-là de placer le peuple au centre de l'action de l'État. Là est le combat de la Mouka. Alors la question des élections, comme je l'ai dit, après une réflexion, une analyse et une réflexion sémantique, la Mouka estime que nous devons aller au consensus pour lever la question des élections, puisqu'il se pose beaucoup de problèmes autour des élections de 2023. Nous avons relevé des contraintes, notamment la première et la plus importante, qui est la contrainte budgétaire. Le gouvernement central, qui a voté le budget de la CENI, n'est pas en mesure de financer la CENI comme l'esprit de la loi le prévoit. Vous vous rendrez compte que dans les financements qui devraient être décaissés depuis l'avènement du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il existe un non-respect et une violation des textes de l'esprit de la loi. Donc la CENI est sous-financée à l'heure actuelle. Ça, c'est la première contrainte, la contrainte budgétaire. La seconde contrainte qui dérange encore tout le monde, c'est la contrainte sécuritaire. Nous sommes sans ignorer ici que les élections est un droit civique. La population congolaise, où qu'elle soit, est appelée à choisir les dirigeants qui devront diriger la nation demain. En 2018, nous avons eu les populations de Boutembo qui ont été privées de ce devoir civique parce qu'il existait, semble-t-il, à cette époque, des contraintes sanitaires liées autour du virus Ebola. Alors ça aussi, c'est une autre contrainte. Voilà que l'État congolais aujourd'hui, je traite l'État congolais de défaillant, puisque n'ayant pas pu répondre à ses missions, celle de protéger la population, risque de rendre fragile le processus électoral, parce que nous souhaitons avoir une adhésion au maximum de la population dans les processus électoraux. Et pour avoir cette adhésion de la population dans le processus électoral, il faudrait que la population, que le garant de la Constitution, qui est le peuple, qui est le réel pouvoir, comme moi je l'ai toujours dit, soit rassuré quant à
aux garanties que lui donnent les dirigeants. Voilà pourquoi vous remarquerez dans cette question des élections, dans la proposition du calendrier électoral qui a eu lieu la semaine passée, la MUCA appelle à un large consensus entre les parties prenantes au processus électoral. Parce que même au niveau des institutions, actuellement, il se pose un problème, celui de la désignation des membres de la CENI. La commission paritaire qui devait être constituée de la majorité de l'opposition actuellement est divisée. Donc il y a un problème et que nous pouvons bien évidemment organiser les élections dans les temps puisque nous refusons, nous disons non au glissement. Non au glissement. Oui, à la Constitution, parce que la Constitution limite le mandat du président de la République à 5 ans. 5 ans renouvelables une fois. Une fois. Voilà. Tous les éléments que vous venez d'évoquer là-bas, les contraintes que vous venez d'évoquer, vous les résumez autour de la marche du 15 septembre, n'est-ce pas? Effectivement. Vous les résumez autour de la marche du 15 septembre. Mais la question qui dérange certains observateurs politiques, c'est pourquoi avoir choisi le 15 septembre? Pourquoi avoir choisi le 15 septembre alors que c'est le jour où il y a le retour des parlementaires au Parlement? Merci. Pourquoi avoir choisi cette date? Je pense que constitutionnellement parlant, la Constitution prévoit à la population le droit de manifester. De manifester, de protester pacifiquement. D'abord, ça c'est le premier aspect de cette chose, le droit à manifester. Et la deuxième chose, je pense que la MUCA, dès son existence, dans tous les communiqués, la MUCA a toujours dénoncé cette cacophonie qui règne au sein des institutions. La MUCA a toujours décrié cette Assemblée nationale partisane à la merci de quelques dirigeants. Pourquoi? Parce que j'ai tout à l'heure ici dans votre émission parlé du principe de redevabilité. Nous estimons que dans une démocratie, les dirigeants sont soumis au principe de redevabilité face au peuple puisque le pouvoir qu'il détient est un pouvoir qui émane de ces peuples. Ouais. Voilà pourquoi dans les démocraties, dans les pays réellement démocrates, nous nous rendons compte que le président se fait élire au quotidien par rapport aux actions qu'il pose vis-à-vis de son peuple. Mais lorsque ce dernier arrête de poser des actions qui bénéficient au peuple ou encore qui sortent de l'esprit et de la loi, vous vous rendez compte que les populations sont dans la rue pour protester et le pouvoir fait recule face à ce poids de la population. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà pourquoi le peuple qui est le souverain primaire a le droit de dire à ses députés, de dire à M. Félix Tshisekedi, vous n'êtes rien sans nous. Nous, nous sommes le peuple. Le peuple, nous voulons avoir des élections crédibles. Avec M. Félix Tshisekedi, avec le FCC comme challenger, mais nous voulons avoir un processus électoral garanti. Nous voulons avoir un processus électoral sécurisé. Voilà ce qui est l'expression, ce que sera l'expression du peuple ce 15 septembre dans toutes les villes. Dans toutes les grandes villes de la République. Ok, si on peut aborder cette question de la marche aussi en Lingala pour permettre à tous ceux-là qui nous suivent. Je vous rappelle aussi que cette émission n'est pas suivie qu'à Kinshasa, c'est partout dans le monde. Keo, c'est une chaîne YouTube internationale avec des sujets qui sont abordés à l'international aussi. Deko Joël, la MUCA, outiko sa la déclaration semaine passée, yomoko outiko lo bayango, awa waba, pe si calendrier, lo lengi nini makambo sengeli ekende. Déjà, avant le point de presse, on est allé maquiller na ba deux leaders, il y a la MUCA Sikoyo, Adolphe Mozito d'un côté, na Martin Fayulu de l'autre côté. Tu es qui déjà date, il y a le 15 septembre, que marche Ekosalema. Boponi marche Mokolo Oyo, rentrée parlementaire Ekosalema, awa Outi Kolobake, Ezali, Ponakola Kisana, ba Ponamiwana, na Batu Oyo, Balobeli, à peuple que sans Bango, sans population Bango Bazalité. Mais les loyaux n'ont pas l'endé l'endengue au tikolo bandeko. On l'oublie que to komi na likamboya kokende na consensus na makambo nyonso oyo ezali ko sala lokola ezali ko bloquer mboka. Alors mutuna ona batuna so bakomi kotuna makambo ya vérité des urnes et kweyi to komi sko na consensus. Qui dit consensus? Ba misusu bazolo bezali ko kabola pouvoir
Yo lobi nini ndeko Joël Lopez. Merci ndeko Nabanzi. Question à vérité des urnes. Question à vérité des urnes, il faut tout comprendre yango lolé et loroni ni lingi koloba. Vérité des urnes ezali koloba simplement ma ponami ya solo. Ah bon, puis bon ça na 2018 publication. Oui, ko yana 2023 ezala ya solo. Nazali ko yana la. Lingi koloba été volonté à peuple ezala prise en compte. Si ko la muka étant donné que azali na balobeli na ye ou ezali mon mboka Adolphe Mudzito te président élu Martin Fayulu, bazali ko observer situation politique, économique, sécuritaire, paix sociale ya mboka. Pona ko belela, pona ko sala rapport, ko rendre un compte na population, pour être population de apona ki bango bazala balobeli na ye. Mais ozali ko mona batu et bazali ko bunda contre population, o ba yibi bo kondi ya peuple, ba pesi yango batu misusu, bazali na division na moment wana. La moka lobi boye. Tozali na 2018 ici ka to bebisaki. Toko sa la révolution non armée. Révolution non armée wana linki lobani ni toko simba minduki te parce que te monduki oyo pe oyo mboka ezali na yango ezali population na yango parce que yende azali mokondi. Biso toko tala toko lobela population wana. Siko tozali ko kende 2023 la muka azali ko sala ba analyse azali ko tala ete. Na niveau ya cour constitutionnelle ozali ko mona ndeko Tshisekedi abundi afin d'ici ba juge ezalaki ko violé esprit ya mobeko likondi lelo moni question ya seni ezali ko déranger ba tunyo so parce que biso la muka to lobi ete seni esengeli ezonge pa ya peuple parce que peuple ndé apona kaba ba dirigeant na ye biso ba to to ko bunda pona to zo bokondi to za la biso to bango na mozindo ezonga na peuple na lolenge nini seni to za na likambo biso ba to to za bunda to za la biso mo arbitre ya match to ko sala te meto lingi nini seni ezonga na cité lingo lo banini à travers société civile. Société civile, tu as une église, une confession religieuse, tu as une ONG, tu as un mouvement citoyen, tu as un mouvement de femmes. Vu représentativité, il y a société civile, il y a confession religieuse dans le peuple, puisque le peuple congolais a ça la raté, le peuple congolais a zanandaku, le peuple congolais a zaliko souffrir. Vu représentativité na bango na kati ya ba association wana peuple ako kayé moko ko bongisa mapona minaye apona mutu ako kambaye bongo ba politique yo ba ko siéger na seni ba ko siéger na plénière pona ko tala lolenge nini c'est peuple azali ko bongisa élection na ye parce que tout moni ba politique nde bazali cause il y a pas si la population ezali ko leka ozali ko mona ba crise au union so route 1960 ki no lelo ezali ba crise moko politique o eko trouver solution na yango soki tozali na ba politique moko o bazali sérieux o ba outil pa ya peuple deko Joël na sepeli makasi na ndenge o memi lisolo wana ya seni ezonga na maboko ya population ngana tuna zo tuna est-ce que bozali ko mona ete ke na démarche wana ya kozala na seni oyo ezali apolitique na lingala na ebite su tolobani ni seni oyo ezali ya lamuka te ezali ya FCC te ezali ya Union Sacrée te c'est-à-dire ezali seni oyo e kozala na sembo ndenge balobaka na lopoto l'église au milieu du village est-ce que moi ndeko Joël en tant que politique yo zo mona te ke démarche oyo ya bino ya lamuka ezali démarche moko ezali na piège na kati wana tango bino bolingi mutu nini oyo kozala wana à cause de la tendance tendeko ezala lobango pe na sembo mutu nini bakotia na mutu ya seni oyo ya ko remplacer Corneille Nanga akozala akomema mama na mupepe moko boyete est-ce que mutu wana na Kongo azali na tango merci ndeko wana ozali ko kamusanga ici que ozali ko remettre ba valeur na biso en cause ngana bandi ete na kati il y a ba confession religieuse et surtout ezali important makasi ezali ni respect ya mibe comment état on tozali ko loba état de droit tozali ko loba respect état de droit quand même bozo soutenir en la muka état de droit ezali ko loba nini ndeko yango nazali ko yeno la ni ko loba ko tika na kati ya oyo mobeko esengi ko za o mibeko elobi voilà tant tozali ko loba ete
peuple yé moko a lingi ko change ou a lingi changement a sa la responsable ya changement na a pona ba dirigeant na mais a rozala soumis na mibeko e rozala écrit de façon consciencieuse. OK ya ngona tant que tozali na katia consciencieuse na lolenga ya politique et lo bakamingi en de Joel consciencieuse na nga lo politique ezali biso na soki tozonga wana total la makambezo ke ndelo lingi ni na bandi soki tozali ko placer peuple na katia ya action ya l'état bongo romo na makambo ezalite talambo kana biso uta 1960 nazali ko tali sa ba crise kino lelo 61 nazali ko mona ke zali ba crise moko politique. Voilà pourquoi ba politique wana nga na lobby il faut bazala animé na sursaut moko patriotique pona ko tala ete tozali ko salela nani tozali ko salela peuple. Yango wana to lobby biso nyonso to micha ensemble la moka ezali ko luka poste te faut to préciser lo wana. Tant que la mouka zali ko senga ba reforme wana ko sale mais pas bandeko ba zali ko kambambo ka déjà. Parce que la mouka elingi ko zwa botutu échec ote parce que le mandature déjà éprouvé suffisamment na kati ya peuple ke ba échoué. Okay. Si koyo, puisque il faut to bongisa. Pouvoir oye ko yana 2023. Il faut pas zala pouvoir oye ya mayoya, pouvoir oye ya batu ba zali ko dirige ba kambio ba zali soumis na principe redevabilité vis-à-vis na bango. Mais pouvoir ezonga réellement et pas ya peuple. Bon, to refongo la dossier wana ya mokambi ya seni. Pouvoir ko yana 2023, élection installami na lolenge la muka alingi mais ekeyi na lolenge peuple alingi. OK. Na lolenge peuple lingi ndenge la muka za ko soutenir. Za bongo la muka azali ko soutenir ndenge peuple e alingi. Élection installami na 2023, peuple alinga ki sale man lolenge wana na sima na yango la muka azali ko soutenir ango. Pouvoir ekeyi na maboko ya mutu mosusu ekeyi mingi mingi na mutu ya la muka te. Est-ce que la muka Adolphe Mozito na Mopanzi, Martin Fallou na Mopanzi Mosusu, va soutenir le pouvoir Rwanda Koya Sima en 2023. Vous allez vous dire que l'élection est réellement impartiale. Vous allez vous dire que l'élection en 2018, Mobeko Lobaki était, c'est ni à publier le résultat bureau de vote par bureau de bureau vote. Bureau par bureau. Si quoi, au moment où PPL est l'élection, tant que la population à Lobaki était, n'a pas poni un candidat, n'a pas poni moutou à Kambanga et aux présidents élus Martin Fayoul. Au moment où Bangouna et peuple, Banga qui ont publié le résultat bureau de vote par bureau de vote. Mais la mouka azali peine à combat ou azali à édification et à peuple. Kofungo la peuple maillé, les pauvres peuples là, pour comprendre effectivement que la vie ça y est. Peuple sengeli a la mouka. Pour comprendre, rôle nini sengeli a joué na kati ya mouka ou. Parce que tant que ba dirigeant bazali ko bima, li banda ya moubeko, ba dirigeant bazali ko sala ou peuple à l'ingité en ce moment, ba dirigeant on a ba komi ennemi ya peuple parce que ba komi oppresseur ya peuple. Yango na mona peuple, il faut tellement. Tout le monde a rango na mikili ya poto. Vous allez comme on a ba grève, vous allez ko kende 50, 60 jours. Parce que peuple a yebi ba droit na ye. Peuple a yebi ke nazali souverain. Moutoua rebounde langa azali te souli nga moro na telemite. Vous allez comme on a na mboka loko la France na pe sara exemple. On a mingi po peuple. Gilet jaune. Ou azali ko landa biso. Ba gilet jaune, ezali même, ezali descendance ya révolution. Ou ezali ki déclenché na augmentation après yale pa. Tant ou ba campagnard ba moni ete. Lipa e mati. Souffrance e komi au kota na ba. Na bachan biso tolingi changement au salaire mona ki peuple français a se mua ki comme un seul peuple et loko la mouke zali ko sala ete peuple a koka ko fungwa mana mayele le lo peuple congolais a komi ko yeba ete bidja mboke sengeli ezala ko ye peuple congolais a komi ko s'intéresse na ba question économique sécuritaire yango wana komba ya la mouka po peuple a zala éveillé parce que la mouka ezala Adolphe Mozito ezala Martin Fayoul bazali na bango simplement ba porte étendard ya komba ya peuple bango ba kosala le côté peuple nde esengeli ya telema ko ko porter ba ba kabinaye na kibokundi ndeko Joel tozongi tsiko na mutuna na biso oyo ya motonini ya seni mutuna na biso ezalaki bongo motonini oyo bino bomoni akoki ko kamba seni oyo akozala problème po na kamo susute. Te biso to sengi te ba parti prenante nyo sur la processus électoral oyo va se mettre d'accord. Vous allez comme on a blocage ezali na niveau ya la muka te parce que la muka azali ko proposer d'ailleurs ba piste et solution au bandeko bazali na kati ya pouvoir bani ko sa elate.
Vous avez vraiment un blocage à l'Iboso. Blocage à l'Iboso, ils allaient dans un niveau, il y a ma confession religieuse. Église catholique, église SSC, ils allaient d'accord, tu es dans l'église protestante, Moussous. Église catholique, na protestante, bazana bénédiction et l'amour. Non, bazana bénédiction et l'amour. Vous allez comme on a dit, ah, vous avez un problème, on a un bokeh, vous allez barbarie, vous allez corrigner mingi. Vous allez comme on a les lobes églises, vous allez qui n'a pas venu, au côté on a cassé à vous, vous allez compter 20 églises dans le pan. Pourquoi l'État a ligné qu'on organise cadre légalité, n'a qu'à s'y n'assima à l'église, voilà, pour pas à la identifier, pour les à la basali qu'on s'en bon route. Vous allez pas entreprise, l'église est comme un cop. L'État, puisque l'État a sa kanarana batouana, ou moni l'État, mais l'église catholique, ils allaient l'église où ils bondissent même pour la combat, et il y a Ndeko Félix, tu sais quel État qui est en opposition. L'église protestante, les lots, ce sont les églises les mieux organisées, nakati ya Congo, les lots. Donc, Tokoki, Kolobaete, que l'église catholique, namouné, nanamouéza, na merci à la moukawan, ils allaient même kofing à l'église catholique. La mouka est singulier, t'es consciencieux, c'est ça à tous les niveaux. Au niveau politique, parce que dans le lobby qui a tout à l'heure, même dans l'Assemblée nationale, bah au Basali qu'au siéger, Basali qu'au Canada, commission paritaire au singulier statué sur question élection, ils allaient diviser. Donc problème, ils allaient na katikou, ils allaient libandater. La mouka puisque Basali qu'au même combat, peuple, Basali qu'au proposer, on a na sima ya média, ils allaient qu'au lobanin, ils allaient édification à population. Tant que vous allez vous bengala marche, vous allez au moins la population, vous allez vous comprendre le lengenini, mboke, koufi, le lengenini, bandeau à pouvoir, vous allez vous saler la budget au musito à Tika à 3,7 milliards, peuple, il faut tout bima parce que vous allez vous porter combat à Bissot, bango réellement. Deko Joël, Ngana Ozonge la Motuna Oyo, na Landaki, bandeko Moussousou, il y a politique PKK, Ndenge, tout ça, comme ça, na Bissot chasse à l'information. Denge bino moko balobaka, est-ce que information na yo ezali na source na yango? Le loyo ba confession religieuse ezoko kakoyo kanate parce que to lingate bino kuna na lamuka boyebi position ya ba si confession religieuse. Mais ba mususu pe le susu, ba yebi position ya les deux autres confessions religieuses, c'est-à-dire catholique na protestante. Ba yebi bango, ba yebi que ba protestant na ba catholique bazo beta carte ya lamuka. Bino kuna la muka bozali ko lobake basisu wana bazali ko beta carte ya pouvoir notamment Félix Tshisekedi. Ezali bongo ndeko Joël. Te na meki ko tali sa onde zonobi problème ezali na niveau na biso te la muka azali ko observer ko sala analyse. Oui, ko ko ki ko za l'observateur mais oza soutenir des marches ya baninga moko boy kuna. Na pe sa ba contrainte ya li bosu ezali ko tali sa ete processus électoral ezali biaisé. Ezali processus électoral moko ezali ko favoriser fraude. Na tali sa ki yo nomination ya ba juge na cour constitutionnelle. Le lo na zo tali sa yo nomination ya président ya CENI, voire même bango ba parti prenant to bazali na kati ya Assemblée nationale bazali ko yo kanati. Donc problème ezali na niveau na bango ezali na niveau na biso te. Ndeko Joël. Na makambo tali cour constitutionnelle. Tozala ki na Luamba. Luamba bande ko beta carte ya FCC batune soto ba yebian. Ceux qui ezala ka président Fayulu Mouta comme ka président ou bien président Adolphe Mouzito comme président de la République. Alinga ki andi mako travailler na président cour constitutionnelle de Luamba Benoît Tilelo. Ndeko nazali tango tozali ko loba wa ezali refondation à l'état. Refondation à l'état ni ko lobanine. Fondation à ba institution à l'état. Ils allaient refondation, voire même il y a constitution Nabiso. Ils allaient co-organiser société Nabiso. Parce que Wanande, ils allaient comme mission principale, il y a pas dirigeant Nabiso. Les lots qui ont été une analyse profonde pour la côte a été ascension, il y a pouvoir, il y a pas dirigeant qui nous 1960. Si les lots allaient comme on a, il y a gros des allaient cause, il y a pas répercussion, ils allaient sécurité, insécurité alimentaire, ils allaient insécurité au niveau de la province. Tosengi nini, Tosengi refondation à l'État et Koleka. D'abord, par respect à ma texte, ils allaient corriger la société Nabiso. Tant que les dirigeants ou les allaient organiser la société, ils allaient violer ma texte, ils allaient limiter soit le pouvoir ou bien le champ d'exécution. Mais ils allaient être là. Il y a un moment où le peuple a droit à côté, droit à côté, puisque la constitution est pécié droit. Il y a un côté où ils allaient avoir une décision inconstitutionnelle, puis que ça est la volonté à peuple. Donc, il y a un peu de temps qui est au Tikalika, parce qu'il ne faut pas.
to bungi sa peuple na katia combat wa zali na yango hein. Parce que moni biso na nouvel élan parti Adolphe Muzito to boya kakokota kokota vraiment na ba débat ya ba personne moni parce que batouana même ndeko Félix Tshisekedi azali congolais nga na zali moko ya bilengi on a lo baka il faut to discuter même na ba jeune ya ba parti politique mususu mais l'autre rose ba jeune ya lamuka na ba jeune Il y a IDPS par exemple, il y a Union Sacrée, ceux qui ont organisé l'émission Moko, Bajen, il y a la Mouka, Koto, il y a Bajen, l'Union Sacrée. Tu as le Lengeni, il y a le Rebongi Samboka, parce que tu as dit que tu es congolais. Les autres, tu as un problème, il y a tribalisme, il y a le Kokota. Puis tu as dit jeunesse, tu as dit 60% de la population congolaise. Donc, ils sont des main-d'œuvre, ils sont des pouvoirs, ils sont des pouvoirs, il y a qu'on nomme, il y a qu'on renverse. Il faut que tu aies uni. Les lois dirigeants, on a basé comme ma division. Pourquoi? Parce que bazali ko zo pouvoir pour na pouvoir bazali ko zo pouvoir pour na positionnement les lo budget en boka depuis Adolphe Muzito a tiki yango na 2012 augmentation ezali ko sale maté mais production minière ezali ko doublé mbongo wana ezali ko kende wapi ezali ko mona biso to lingi ete pouvoir ezo nge pa peuple pourtant ou l'état ezali ko bongisa misala l'état ezali ko tonga banzela to zali na besoin les lo pour na olongwa mutu abotami na kinto pe na province akufi ya moni province mususu te parce que banzela ezali te to zali na besoin à 50,000 to zali na besoin à 50,000 kilometres de route Et ça dit combien ça dit au moins 50 milliards de dollars au gouvernement seigneur il y a ça la musala pour avoir mobilisé à ton abandé là bon économie n'a besoin de la booster dès lors allez au moins la maman la parouenze bah y a ba chambre froide bah y a ba vivre froid bah allez menacer la population bah allez menacer la ba service à l'État parce que bah dirigeant bah lobby était bilo et qui titalo sans pour autant qu'au tel bah contexte bah contour économique il y a ça vous allez comment bon les allez ma b y a un gros tout lobby tout tika la nakatia esprit à mon bécoli qu'on dit constitution et l'eau nous allons qu'au sein total et si canine de tout ça les mabé bon tout le monde était tango et zali réconciliation nationale il faut et salé mais réconciliation nationale et qu'au salé manalou l'engenin peuple il faut à la partie pour y en avoir quatre à ma caméra déco Joël parce que rupture et zali rupture il y a confiance et zali entre pas dirigeant la peuple ok bandeko Tozali na ndeko Joël azali président ya ligue des jeunes ya parti ya Adolphe Muzito nouvel élan et longo na ende tozo lobela makambo matali politique na République démocratique du Congo ndeko Joël tozungil na nous les solo ya marche ezali le 15 eko bandela wapi eko suka wapi message nini za na kati ya marche wana message ezali misatu message ya liboso ezali toboyi glissement ya mi balé ezali toboyi seni et politisé ya mi satu ezali tolingi ba réforme La réforme n'est pour permettre l'État pour avoir un abat moins et pour financer le processus électoral. Parce que tu as dit que tu n'as pas d'amis. Mais tu as dit que tu n'as pas d'amis à l'olé. Il faut te respecter l'esprit de Yamobeko. Il faut total à l'ikambou à l'eau électorale. Pardon, quand il y a une réforme, il n'y a pas de partie prenante. La mouka est allée proposer. La mouka est l'obité. Oh, il y a Pessi, il y a Ngonde, il y a les Alas. Il faut passer à l'ensemble, bon, battre l'esprit à loi, bon, battre la question à financement à l'élection, bon, battre la question à l'état de siège, parce que les lois sont qui ont des élections, bah, il y a tout qui va confondre tes Vous savez comment on a Pour l'état de siège. Mais insécurité, vous allez. Bah, qu'on fait la moi à Brecht. Et qu'on favorise peut-être. Tant que vous avez la macamboya à l'état de siège. État de siège, Zali, succès ou bien échec? Non, tout Zali, il y a toujours un barango toujours. Il y a ma lame, il faut que soutenir. Il y a ma baie, il faut tout de suite. Il faut que boye à moi. Il y a bandit sécurité intérieure, Zali, question, Zali, vous concernez. Mais c'est parce que ma population, Zali, n'a tout, Zali, n'a besoin de sécurité. Mais la plus grande question qu'on s'est posée, Zali, le lien et mécanisme, ni gouvernement, Zali, qu'on tient en place pour être état de siège, Zali, à la réussite. Zali, comme on a. Parce que tout Zali, la question à financement, dans le bas, qui a, ou à que, Mboka, Zali, Ramaka, c'est sûr que Zali, Mbongo est belé. Si vous avez un bon MLE pour financer Banzela, pour financer sécurité intérieure à travers Hacha Mindouki, pour vous allez bon cas vous allez respecter. Il n'y a pas condition ni l'État n'a besoin d'aller continuer dans le Soudan, n'a besoin d'un franc. Na salaire nini na prime nini le lozali ko mona même IGF et kangi soki détournement na niveau ya armée c'est grave ba condition ba parce que ba oh bazali ko bundela mboka bazali ba congolais bazali ba ndeko na biso donc il faut to lobela bango tant tous ali ko loba état des droits ni ko loba nini Yemoko présidence de la République aliaté, yemoko exécutif aliaté, mais pas zoa part y a justice, les lots salaires y a magistrat. Oh, Muzito a mema qui na $300, ti na $2000. Et perdre 50% de pouvoir d'achat, non, parce que l'inflation est allée, bilo est allée comme matana, na ouenze salaire est allée comme évoluer, parce que l'État est allée comme produire mbongote. Justice ou an est allée à la merci à ma dirigeant.
bah ils la justice moro il y a deux poids deux mesures. Les autres ali na armée sécurité intérieure budget ni ni l'état congolais à louer rapport à secteur ouana. Il y a un débat problème où il faut te discuter dans la société na biso. Tout à la pona ni ni l'état ali incapable à co créer mbongo pour na co financer armée. Pour nanin l'État zali kotika armée zali infiltré. C'est-à-dire l'État zali défaillant. Il faut réformer l'État. Il faut pas réformer parce que les man armée pe miko les ali ko ya ezali likanisa malamu. Ezali likanisi recensement ezali likamba malamu mais recensement il faut ça les man ba condition pe lo lenge. Mais ezali ezana une étape ya projet. Ko za na projet ezali bien mais exécution à projet pe ezali ko ezana ba norme. Total la bango nenge ba zo mais la démarche ango. Tozongi boko bandela la muka et ko bandela marche voilà na bandi ba Bah, secrétaire général y a parti aux alliés qu'on constitue et la monka bas alliés commis que c'est qu'on multiplie bas réunion pour la coyer bas été le lingeni ni marche au banda wapi parce que marche aux alliés marche mon corps sur l'étendue du territoire national donc vous avez la dimension mon corps y a mon aîné alors na bandi na bas jour topé bas heure aux alliés qu'on y a ceux qui bas lever option et tu calques 6 jours le lundi 9 tu calques 6 jours oui le peuple congolais aux alliés a soifé aux alliés causer l'information la bandi chaîne na bino aux alliés chaîne moro et landa maramingi peuple congolais toko le kalisu supo na hotel sa peuple ba itinéraire nini toko zoa poto salabiso nyo so shit na palais du peuple shit vous allez na palais du peuple mais et coïncider que parti à président assemblée nationale on est une distraction distraction des bango bazana droit au marché était bino bazana droit au marché il y a bango marché za distraction bazana droit au marché il y a bino ezali il y a bino il y a bino ezali distraction des ezali la muka e ko bima na balabala na bandi président de l'Assemblée nationale peut partir n'ayez qu'obima na balabala. Ils ont problème t'es. Ils ont problème t'es. Bisous toujours le bela lamuka. Tant que lamuka rosa na balabala, lamuka ils ont expression populaire. Lamuka ils ont expression populaire. Pourquoi? Parce que lamuka ils ont plus de 61% de la population congolaise au basali a soifé na changement. Donc na bandi dimension ils ont n'ayez mon côté. Bango bazali ko soutenir ba institution mais ba institution wana ezali à la merci à peuple tous ezali na merci à bato bazali ko kamba bango parce que na lobela ki principe ya redevabilité awa ba dirigeant esengeli bazala soumis na redevabilité na principe à redevabilité vis-à-vis na peuple mais bango bazali ko salela nani peuple rozala na nzela pona ko s'exprimer bongo communauté tant nationale internationale et à la likambo voilà communauté tant internationale que nationale balande la makambonyo surtout il y a politique ou les canana République démocratique du Congo actualité zali munene na mboka na biso to silisi nanu makambo matali la muka na marche ou ezali prévu to funguli moi les solo mususu gouvernement ya Sama Lukonde balobi tozo kende na recensement pe identification ya population na la muka balobi bon ezali likanisi malamu to ezali moyen lisusu ya komema mboka na glissement na bandi tangu mwana mboka Adolphe Muzi twazala ki kosali la peuple a songa ki yimu twazali moto a songa ki na recension etali recensement donc ezali kambwa malamu parce que recensement et permettra na gouvernement et ba quantité ni ya population azali na yango esika esika po akoka kosala plan pe hein akoka ko prévoir ba politique publique ni pour permettre et population azali au ya souka ya Congo bakoka koyeba ye po bakoka ko assister donc c'est une bonne chose mais si ko to analyser parce que moni ya biso tant que tozali ko le kanate fe tozali nde ko informer population population yenda azali mokonzi biso tozali ba lobeli na ye to analyser mokende ko ile tozali na infiltration ya plus de 11 provinces si ko soki to lobito sa la recensement recensement ko sa na lolenge ni yondimi ete batuba ba ko za la recension ne ko za la kaka ba congolais wana question na tuni yonde ka se mona balobi le recensement na identification ezali pona ko identifier peuple azali na réponse mboka tango azali tango azali infiltré recensement ça les marana ba condition ni puis gouvernement to pe pouvoir ni ni ko ça la recensement mais ali pouvoir mo ezali légitime ezali émanation à peuple te tango mboka ezali ko ezali passoir ya ba groupes armés tango ba groupes armés bazo soit contrôle voire même ya ba mine ya ba richesse ya mboka na biso identification au sel mais tu identifier nde bangunat
puisque armée na biso moko yé moko mwana mboka o azali ko kamba mboka azali ko reconnaître été armée na biso ezali infiltré au plus haut niveau à reconnaître donc président de la république à reconnaître que armée na biso justement voilà mwana to te ko loba que nous les autres ça les voilà pourquoi recensement que ko ça les mana ba condition yo te donc recensement ça les matin identification ça les matin te to lobi te que il recensement ça les matin de ko il faut tout comprendre bien lourd nazali pas recensement sengeli ça les mana mais contexte actuel et la société na biso les alli qu'on permettre être recensement et ça les maté parce que mboka na biso les alli infiltré tu ko ça la recensement voire même ya banguna o ba okoma ba congolais. OK voilà recensement par rapport au contexte ko ki ko ça les maté mais ce que bino bezo proposer et ça les manalo lenge ni na tango nini tango la mke okoma na pouvoir vous alli ko le ba refondation à l'état il est qu'à partir ya mapona mia solo peuple aza na ba dirigeant ba outil et pas na ye bongo ba oyo ba kokamba. Puisque baro kamba pona batro baro tchabango batro baro tchabango ko zane ko sala peuple batro na baro aménager siko ba politique ko bénéficier peuple en ce moment au comment a été le lo Congo et ko koma mboka moko ezali du moins respecté na niveau ya Afrique topé ya mokili mobimba puisque to zane na dimension moko ya continent le lo par rapport ya ba ceux qui na roule ba intérêt économique to zane même na droit pe devoir ya ko protéger ba pays ezali ko frontalier na c'est comme on disait que Singa était tous à Nama Koki, il y a qu'au financier armé, il y a qu'au Eba, le Lengenini armé n'a bissé et coopéré. Bon, tout ça n'a pas respecté. Déco Joël, où ils aillent le mais n'a pas dit que Zali quand même d'accord parce que Binopé, ba journaliste, c'est Bozali qu'au subir injustice sociale parce que les lots, moi salaire aux Alaï, il y a 5 ans passé, les lots ils allaient diviser par deux parce que maman n'a pas que moi ça la Wenzezate. C'est comme on a donc tous Ali Bissonio son akati à gouffre et Singelito, tout réfléchir puisque situation économique avait. Voilà, déco, na commémoration, on a net, na lolenge ya question pour un champion. Na bandi boy, ceux qui la muka a commis les lots na pouvoir, secteur nini a quoi attaqué à Liboso pour na couper sa batonion sur tout confiance. Na bandi la muka, tozaki na 2018, tozaki na projet encore commun. Na bandi, parce que au moni peuple a jugé qu'à ba kambinae par rapport il y a ba programme des sociétés projet des sociétés na ba moni Adolphe Muzito azali moto a mesani kokoma ye mutu azali mo ko la musa peuple na mayo etali ba chiffre parce qu'il y a lo ba ba chiffre ndé et ça la réalité to ye ba réellement ce qui tozali wapi peto kende wapi moni alors ba chiffre na epe na tango na ye a mema kango vraiment bien tozaki na budget à 800 millions de dollars moins d'un milliard en 3 ans et 7 mois Adolphe Muzito a bimi a tiki budget na biso na 3,7 milliards donc tozaki na augmentation moko fois 4 soit 300% tokeyi na banque centrale et sika ba compte ezalaki yo négatif a tiki ba réserve de change a tiki yango na 1,7 milliards donc vous allez comment on a été ba politique ezalaki aménagé pour na correspondre vraiment na ba attente ya peuple yango ezalaki mona ba benga raye yango ba benga Muzito ba attente ya peuple ya population ezalaki respecté yango mona ka ba ezalaki banda okenda dollar et mata stabilité économique ezalaki en ce moment il faut le ba mais avant même akende ba tout ba bandozo ali sur bourse croissance c'est ça les maralolingi nini de vous avez na population à plus de 100 millions d'habitants il faut population pe ayeba ka moni tango ba dirigeant bazali ko kosa population tango bazali ko kokaka ko sala mba le coûte na bango wana te ba komi bango moko ba oppresseur ya population il faut autant la croissance na biso au sale malolenge nini so ki to garda ki capte to pe rythme wana le lot moni to za na budget au moins 20 milliards vous avez comme on a to za na stagné na 3 milliards wana wana zali problème ya gouvernance zali problème ya légitimité 20 milliards de dollars na ba contrainte nyo surtout ya ba institution Bretton Woods mutu na pina ngina tuna la muka na pouvoir so na zolo ba la muka c'est à dire soit Fayulu soit Muzito la muka na pouvoir beaucoup travailler na ba institution à Bretton Woods FMI Banque Mondiale ou bien beaucoup bwa ki sa yango RDC a ko évoluer na lo lenge na ye moko mais vous allez comment na mboka lokola États-Unis d'Amérique ezali na niongo à la hauteur ya PIB na ye ce que vous allez ko kenena ba mboka ou ezali que moi développer ou mon na bato et ba sa ila ba crédit système ya crédit biso a système ya crédit ezali te tant ngonde comme zito abimi ozali comme on a ba dirigeant ba ki après ba sala ki rupture na ba institution a Bretton Woods parce que ba bona ki était muzito déjà futi nyongo o ya 14 milliards o Congo ezali ki na yango tozali tolongwe na catégorie ya pays pauvre tolongwe na catégorie ya pays pauvre très endetté to comme pays pauvre non endetté to risque ko se développer biso moko menga nazali ko kamwa moi j'estime que ko zo nyongo ils animent à bêter.
Mais si quoi ils mabe na lolenge nini tant vous allez kozwa nyongo nyongo wana oli o sale o tchango na misala bongo kokaka ko tirer profit o futa kanda munda yo zali kozwa mbongo ba defi yo zali kolia. Donc les lo moni 500 millions euros. Les lo zali kozwa mbongo que dans tu kozwa FMI zali nyongo zali malamu. Mabe zati. Wana zali komona ba mbongo les lo zali mona mbongo FMI zali ko pesa pona makambu ya Covid les lo ba kangi ministre mbongo ya mi mbongo zali tchama kina misala te. Vous avez comment un problème ça zosala musala na. Vous avez comment un problème na biso zali c'est que tu zali na ba dirigeant mon au bazali ancré dans ba valeur morale théo bazali on a pour servir peuple té parce que ba outil paye pas peuple té ba exemple les ali simple vous avez mon donc to kogi ko zwa nyongo mais nyongo wana to financer ango to créer ba industrie ko créer to za na besoin mais ne vraiment ça les cause là to tonga banzela bongo to ko ka ko développer mboka la muka na pouvoir et ko bandela wapi pour na ko sa confiance directement à la population. La bandit Tito Kende, la mouka, mon ami, il y a 2023, tenant compte, au moninga na lobaka, il faut tout ça la chronologie des faits, dans la période donnée, type période à pour na kota ni sa population était à la mouka, ils allaient na état où on a pas allé erreur au bas dirigeant la bise à mouka bazalara na parce que bazalara soifé il y a pouvoir pour na bango en lieu et place il y a pouvoir pour na peuple. La mouka à travers présidium na mouka na koki koloba. Étaler projet des sociétés à la Moukate parce qu'ils allaient un projet des sociétés mais encore constructif. Un bisou, tu as dit que social. Au moins, ordre naturel, il y a vie, ils allaient que c'est un moutou à Coca-Cola. Moutoua kouka kou se faire soigner à l'accès à la soin de santé à malam, bon moutouana kouka kou se former hein, intellectuellement. Et là, vous avez mon abazali kou attaqué, non, voilà la gratuité de l'enseignement. Les alliés constitutionnels, les alliés bien, mais vous allez au mon appel côté moussous, sous ce côté armé du sali, vous avez au mon abana classe basali côté kabou, parce qu'à Zen, Anzala, vous avez au mon abazali Lopez. Social nabiso, tout peut sécurité, tout peut secteur nion sur la vie, hein, et qu'on trouve une solution à un gros, surtout aux alliés économie morostale. L'économie stable, c'est qu'on s'en a une bonne gouvernance. Mais la mouka est tant que vous avez un peu la mouka est quoi appliquer réellement bonne gouvernance parce que moi, je suis Adolphe Mouzito, qui a été tribune, qui a été séminaire, qui a été ça. Il y a même un peu qui s'en est dit pour qu'on ait gagné le mandat, le peuple a été sanctionné, on a été sanctionné, on a été sanctionné, on a été sanctionné, on a été Joël, la lobby boy. Avant 2018, la majorité des Congolais balobaki que Kabila a bombé Mboka. Nakanisi ke yope oza na kati ya baro balobaki ke Kabila a bombé Mboka. Bon, tout ça na contexte oyo ke Lamuka Muzito to Marte Fayulu yenda zwa ki bokonzi. Na lolenge oyo Kabila tike la ki Mboka. O batino soto balobaka libulu oyo Kabila tike la ki Mboka. Na tango oyo Félix Assali na bokonzi. Soki zalaki par exemple moko ya presidium ya Lamuka azalaka wana. Alinga ki asala ndenge nini na espace ya 3 ans eloko nini akokai ko sala pour que bato batala boy balobi babosani mbala moko kabila. Parce que bon tango tozai ko loba ki kambo ya légitimité zali importante. Lelo zali mon na société na société zali divisé parce que moto azali na bokonzi ou ti pa a peuple te. Ni la population est allée répondre. Vous savez comment à mon côté. Tant que vous avez été la population a jugé à bas dirigeant par rapport à la réalisation à au quotidien, n'est dans le bas qui base à élu chaque jour. Mais les autres, vous avez comment on a été social, on a bissé, ils allaient par terre. Inflation, ils allaient continuer. Vous avez comment on a bas salaire, ils allaient perdre valeur chaque jour. Création d'emplois, ils allaient parce que chaque année, Ndeko, vous allez 2 millions de Congolais qui ont sur les marchés de l'emploi. Est-ce que Ndeko Tshisekedi a créé au moins 2 millions d'emplois chaque année pour avoir une hémorragie ou un bandage depuis l'époque de Kabila? Parce que il y a un position de résistance. On suppose que tenant compte il y a histoire la Zalaki
azala ki kosa la lecture ya temps pour nakoe ba été situation amboka loko les bandia watia wanga soki na na bokondi na ko répondre na population na ba secteur clé mais vous allez monna kezali le kate ce qui veut dire que bazali bato bazala ki préparé pour nako kambati vous allez comment on a parce que biso lelo na lamuka lelo na nouvelle là tozali ko tala ko sala lecture ya temps pona koyeba ete soki tozwi bokonzi lobi peuple soko pesi biso bokonzi tala pesika te kobanda kobongisa yango tala lolenge nini te kobongisa mboka e ko senga biso pe 50 parce que Congo ezali mboka moka dimension belé il faut koyeba yango il faut kobanda au moins quelque part okay. Il faut kobanda au moins quelque part bongo peuple azali ko tala la yonde nini ezali ko sala la peuple ko pesi soki ezali ndeko tshisekedi peuple ko conduire okay. Soki pe ezali moto mususu peuple a reconduire tozali voilà. La démocratie bandeko ya keo bosala ki choix ya mabete bosala ki choix malamu ya kopona télévision na bino YouTube Congo Esengo officiel plus télévision tozali kokoba ozali ozali président ya ba jeune coordonnateur national donc coordonnateur ya jeunesse nyo surtout ya nouvel élan ezali na likambo moko euti kolekana wana na kotuna yo en tant que responsable ya jeunesse makambo o bana kela se bauti kosala kanisi que ce que mona ki angote na téléphone na yo mais oyo ki angata koyoka en tant que mokambi ya jeunesse ya parti ya Adolphe Mozeto tango mona ki ba image wana ou bien tango yoka ki lisolo wana ya sex tape wana ya bana wana oyo ba misusu ba bengi yango ba tourner film pornographique bana ke lasi na ba uniforme ke lasi ba sambwisi uniforme ke lasi réaction li bosso ezala gini réaction li bosso parce que pour nazali parents en tant que parents aussi bien sûr indignation on les ali ko heurter sensibilité à batou belé moni ba parents ba jeunes misou soupe bazali choqué les ali ma mais o les ali que les ala ki o eso e swinga les sous makasi les ali prise y a ma décision précipitée à ma dirigeant bazali ko organiser société tant au ministre de l'éducation azali koloba été na mlandi na ba media qu'il y a wa été bana wana bazali bani na système éducatif mais ils allaient grave alors que constitution ce qui na bo sanité l'article numéro 43 ils allaient ko pesa droit na éducation na ba jeune nyonso na bandi été bana wana bazali bango pe en quelque sorte victime bazali parce que moni jeunesse les lois allées victimes il y a mauvaise gouvernance il y a des dirigeants au balai kaki système éducatif il y a beaucoup d'ambitieux les allées qui délaissé à la merci de tous parce que jeunesse azalinde bakondi allo bitang tous allées qu'au boma jeunesse tous allées qu'au assiégé mental il y a bas jeunes trop contrôlé beaucoup wana bas jeunes wana bas allées victimes na bamboka où les allées développées au comment on a été d'ailleurs question monsieur sur les photos mitouna est-ce qu'un ministre azala qui n'a compétence il y a qu'au sanctionner directement bas élèves bas allées encadré na hiérarchie pardon na directoire moko na niveau ba école na bango puisque na ba école ezalaka organisé na ba comité de parents tozali na ba conseil de discipline tozali voir même na ba conseiller d'orientation ba talaka ba kaya bana pona ko orienter bango bazala délaissé te na kati ya société au moins il faut ko landela bana wana pona ko tala soki ete bazali peut-être na ba problème moko psychologique ko landela mwana mwasi wana topé azala ki victime ya ba harcèlement de par ba tirant moko ya belève parce que na âge adolescence c'est ça là ba comportement moko ya sikao et bimaké pa ya bana il faut ko encadrer bana et non ko délaisser bango na société parce que bana wana bazali lobby ya ba parents na bango mais décision ya décision ministre wana et kaboli pe société et ça na ba misu bazo mona décision ministre ezali malamu makasi mais bazali ko bosa na tende ko Joël que décision ya ministre ya liboso azongela ki yango sima ba yeko bongisa bana wana ba bengani bango kaka na école mais ba banir bango lisusu mais ozali komona to lobaki ezala ki réaction moko précipité oui précipité on a pas dirigeant bazali ko ezala ki précipité mais au moins tozongela kaka na décision ya liboso décision wana ekaboli parce que ezana ba tumusu su ba moni ke bana wana eloko ba sele ezali ya malamu te esengeli ba subir conséquences ya bêtise na bango donc loi wana et décision na ndenge ko wana esengeli ba subir ango yo o condamné ango olobi que c'était une décision précipitée mais quelle leçon tirer de
de cette déviation de ses enfants. Encore, awanga na moni ndeko Joël en tant que responsable de la jeunesse et à Nouvel Élan, au condamné kaka les politiques. Mais apparemment, au Bosani, par la responsabilité à société, même aussi de l'école. Dépravation, il y a ma mère, si y a un bon cannabis, ils allaient au Kende, la vitesse, moi, il y a croisière. Ils allaient, il y a lobby, thermo, il y a un emploi, ils allaient indignation. Ils allaient, il y a la vitesse, il y a lumière. Vitesse, il y a lumière. Ils allaient, bah, fait, ils allaient réel. Donc, tu as dit que Kende, on a évité la mathématique, ils allaient, bah, fait, ou tu as dit qu'on vivre dans la société. Alors, ils allaient, résultante, il y a des problèmes. Comment on dit, à ta toléki na TV, à ta lobby, bah, on a basali mabe. Ils ont changé leur côté parce que ceux qui baboti, basali na responsabilité, moro baro jouer. Mais baboti, pe basali victime parce que, comment on dit, tant que mon boti est sengeli, à quoi rouper cette éducation, bah, n'a pas de sengeli, à quoi ma quoi, qui n'a pas ma dé soit ban. Bah, n'a pas basali exposé une éducation diffuse. Les autres, aux alli, comment on a évolution à mon kinde, les alli, kokende. Il faut que l'on la bana sévèrement pour n'a pas basala, au moins, encadrement, mon corps, y'a ma casse. Et to keli sou na ba école, bah, professeur basali n'a problème, basali n'a difficulté, basali qu'on touche ma salaire, y'a ma longate. Bah, professeur. Parce que mission à professeur, il y a retransmettre moi on a pas valeur et ça avec le bien à la morale. Mais les lots dans la école au monde et que école il y a les lots collège encore catholique comme voire même privé et ça où ils allaient qui l'invitaient parce que l'État azali qu'on permettre a été azali qu'on au moins imbo katar azali qu'on s'est développé des causes azali na évolution économique et azali pe na évolution démographique donc tant que population azali qu'on mata l'État pe azali qu'on matisambo on peut attendre le lengeni ni fois à gérer marambo kama mais les lots abyss azali na évolution moro démographique y a makasi l'État azali qu'on sale les lots les lots azali na combien d'écoles Nambo Kanabiso Congo. Vous avez comment l'État Zali Kotongate. Les Ali, bah, même école belge à Tika, bah, même école peut-être, moi, Mouke, Tongami, mais nombre, capacité, ou Essengé, Libanaba, ou Akota, ils allaient respecter tes professeurs, comme ils peuvent surmener, Azouako, transmettre matière bien. L'État, il faut à la réformer, Aïbakocha, par y a éducation ils allaient wapi par y a justice ils allaient wapi par y a sécurité intérieure à organiser société naie na lobaki na bande les missions na yo que l'État azali défaillant mais il faut pas qu'on reconnaître défaillant soit na pour na côté là été tout bongi salolenga nini voilà tout moni tant que tu as eu benga na réconciliation nationale ou na nazolo ba vraiment à titre individuel réconciliation nationale les alliés importants mais biso na sincère ils allaient sincère oui tu sais bazalo kota moni moni peuple tant azali kokola tu as na phase moko ya soulèvement populaire il y a les bosseux ala qui intellectuel les alliés qui dans les urnes les lotu rumi ko kende na phase moko ya révolution moko ya bia libanda ya balabala peuple et sengili ya c'est prendre en charge parce que dirigeant au Bazali on a barouné Bazali cause ya misère à peuple congolais donc biso na combat na biso ezali ko édifier population pour population azalaka ra distraite mais qui pépé marambo et talimboka parce que yé pas Bazali ko participer et d'une manière souffrance ya peuple yé mon repère Bazali responsable et co-acteur ya souffrance na voilà bande ko tokomi na souka émission na bino bah sujet zala ki ebele to kai ko aborder ba révélation ya confrère na biso ya RFI Alain Foka lo lingini ni ba minere na biso zali exploiter na kanisi mikolo zali ko ya tokozongela lesusu nde kolopes to kape point de vue na ye tokozlu kape mikolo mususu to kosala émission ya munene penza d'un côté ba jeune ya Lamuka de l'autre ba jeune ya Union Sacrée ya FCC hein na lolenge ndeko Joël alobi ke ponaye azomona ke sengeli pe ba jeune à un certain moment ba réfléchir sur les questions politiques totike lango kaka ba tata wana ba vieux wana te mais des jeunes aussi doivent discuter entre eux de la question politique et nous sommes arrivés à la fin mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Lamuka organise une grande marche le 15 septembre 2021 pour demander le consensus autour des questions qui divisent la réforme dans beaucoup de secteurs, mais Monsieur Joël Lopez, vous allez les faire en français et en lingala, les derniers mots par rapport à votre marche du 15 septembre. Merci, je pense que dans le bandana français, j'en appelle à la conscience de tous les jeunes. C'est une marche pacifique. La Constitution nous confère le droit de protester pacifiquement, bien sûr, pour dénoncer la mégestion qui se vit aujourd'hui dans les institutions du pays, la cacophonie, mais surtout dénoncer cette fraude électorale qui est en vue et qui est organisée par la classe politique. Donc nous appelons tous les jeunes dans la rue, partout en RDC, pour dire non à une CENI
politiser, pour dire non au glissement et pour exiger des réformes institutionnelles pour que nous ayons des élections, mais pas seulement des élections, mais des bonnes élections qui rencontreront l'adhésion de la population congolaise au grand maximum. Nakolo bango pe na lingala ko na kobenga ba peuple congolais nyoso bazali ko landa, surtout ba jeunes na lobara yango tozali ko constituer 60% ya population congolaise mobimba. Donc bisonde ba jeunes tozali na besoin misala pour tout tongalo ba famille, tozali na besoin ba crédit, mais pour tout somba pe ma belé, tout tonga pe mwanda ko ka organiser société. Mais ozali ko mona été ba dirigeant bazali ko kamba biso, bazali ko prévoir misala te pona biso, tozali ba taux ya chômage ezali se komata. Misala ezali te, système à crédit ezali ko exister te, parce que tant ozali ko kené osenga crédit bazo senga o bradé et loko esengeli ozo na musala na ba projet. Donc tozala biso nyonso na balabala le 15 septembre oyo pona to telemela seni ya mayuya oyo bazali ko sala to telemela glissement, parce que constitution mobeko li kondi ezali ko limiter mandat ya président de la République na 50 boye te to koma na suka balo baba boya to solola po ba yiba lisusu mwa ina neto dezandenge ba mesana to lingi te election esa de mana 2023 pe la muka oza na tike gagnant na ye oya ko gagner ba election oyo po ete social ya peuple congolais, sécurité ya bana mboka ezala prise en compte. Donc le 15 oyo biso nyonso na balabala to exiger ba réforme institutionnelle pour tout refonder l'état na biso. Na pe si surtout merci na journaliste Patrick pour invitation na plateau na ona sepeli na qualité pe ya image na pe simbote na ba téléspectateurs nyoso tozali kaka na Congo. Je pense que tozali biso nyoso ba congolais to boy tribalisme to boy division to discuter parce que moni lelo na ba parti politique bazali ko instrumentaliser ba jeune bazali ko pesa ba jeune ba machette bazali ko pesa ba jeune mbongo ba ke ne kosala ba désordre ozali ko mona ba jeune ya lamuka ba komi menacé na niveau ya tchangu. Il faut na dénoncer ango parce que nazali moko ya ba jeune ya lamuka omoni biso to lingi to za na unité to discuter autour ya ba philosophie ya mboka, autour ya ba idée lo lenge nini to kotonga mboka na biso. Comme ça biso to za la ba jeune o bazali mayele o ba kotala to pe biso to za la pe biso moko porteur ya développement to pe ya changement ya situation ba congolais. Donc merci beaucoup na sepeli na bandi ezali mbala liboso te pe ya sukate ya kozala na chaîne na bino. En tout cas nan je crois que tokobanda okuta na mikolo ezali ko ya chaque fois que actualité kobanda ko senga, mais onga na retenir ya mutu ya makasi tokosala grand plateau ba jeune nyonso to ba parti politique o balobaka mingi wana tokosala na bango ndeko jovelo kozala bien sûr kokobanga ba ning ba jeune ya ba biso na nouvelle élan toza parti endimaka d'ailleurs contradiction parce que je suppose que c'est ensemble que tokotonga ndemboka. En tout cas ezali maloba kitoko ceux qui bolandi bien ndeko Joel azalaki kozala trop batuté abandozala trop Congo. C'est ce qui fait la force de la République démocratique du Congo. Nazali na papa nanga aib sakanga lobi ceux qui ba congolais bato bakosa na kana ba congolais ceux qui ba congolais bazalaka unité mbele balkanisation to beta kalisolo sale makala. Mais le fait que les congolais ba congolais bazalaka na makambo na bango mais tant que comme likambo ya Congo ezalaka na loko moko boye union moko boye sale makala oyo ba belge baloba l'union fait la force ba congolais ba yebi ko sale la yango bandeko. En tout cas, pour lelo, tokomi na suka émission na bino, politika na émission na bino, oyo bomesana kolanda na Keo Télévision Congo Essengo Officiel Plus Télévision, les bons choix que vous avez fait. Merci beaucoup, Ndeko Joel Matondo. Matondo, Ndeko Patrick. En tout cas, tokomi na suka, merci mingi na Ndeko Pichu Mansia. Oyo, azali na ngambo ya ba kamera, ye moko na deux kameras, allez-y comprendre. Et vous avez la facilité. Tokutani, Mikolo Ezali Koya, émission na bino ezali continuer. Ndenge na epsaki bino, chaque fois que vous avez landa ka bola ikaka, bo benga baninga ba s'abonner, bo sala pe ba commentaire, bo comment. Ndenge nini Ndeko Lopez, akimi ba question misusu boye. Bo benga ye a répondre na ba mituna boye boye. Bino pe boki ko proposer ba question, tokotanga yango a na plateau na bino, après ba inviter na bino ba koyoka. Soki Ndeko Lopez a okoka koya te, tokotindele yango na WhatsApp. Azungi seli biso yango biso avant to bande émission prochaine émission tokotange la bino ba réponse ya Ndeko Lopez après ou bien okiko sela biso vidéo asomi aseli biso vidéo na téléphone atindeli biso par rapport à mituna na bino après bino peto et biso peto balancer li bino yango pour que bozala satisfait tokomi na suka émission na bino mais botika la brancher Ndeko Patrick Chibango azali Jean-Sim Poya azali ba émission azali kili kili na Keo bokolembate toza na pona bino tokutani.